solidifier. Je vais brancher mon pistolet à colle. Et bah, je vais mettre du papier graft un petit peu partout pour le rendre joli. Ici, je vais faire une petite fermeture pour qu'on voit plus ce petit jour là entre le. Près de la porte. Voilà, je vais faire tout ça. Je vais d'abord le vider, le nettoyer. Et ensuite, je vous reprends pour vous montrer comment je fais pour le solidifier. Maintenant que j'ai nettoyé mon meuble, je vais passer donc le pistolet à colle un petit peu partout, hein, là où ça bouge un peu. Mais en même temps j'essaie de pas trop dépasser. Bon, de temps en temps il y aura des coulures, hein. Mais le but c'est pas trop galérer après, parce que je vais devoir repasser le cutter partout où la colle elle dépasse pour enlever les petits bouts. Alors je fais au mieux, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Comme ça, hop. J'ai un petit jour pareil, comme d'habitude, je prends un petit bout de carton et ensuite hop. Je vais mettre à l'intérieur, comme ça me permet d'avoir un point d'ancrage pour ma colle. C'est pas terrible mon morceau de carton. Mais bon, je vais me débrouiller. Vous voyez, ça c'est un meuble, en fait je l'ai fait il y a 3 ans et demi maintenant, et ben, il est encore dans un état correct, hein. J'ai pas trouvé le temps à l'époque de le terminer bien comme il faut, mettre le papier craft et tout, mais en même temps ben, ça me permet de voir si un meuble au carton, même s'il est brut, même s'il est vraiment fait en mode basique, vite fait, bien fait. Est-ce qu'il tient dans le temps? Bah, la réponse est oui, parce que là je l'ai déménagé, je l'avais dans un premier appart et là je l'ai déménagé. Donc même si j'ai pas mis une tonne de couches de peinture dessus, de machin, vernis, machin truc, bah finalement ça tient quand même, quoi. Bon, là j'ai un peu plus de temps, donc je vais l'améliorer un peu quand même, mais bon, voilà. Et bon, le bon meuble. Ça c'est une étape un petit peu difficile. Il faut pas se louper, en fait. Éviter de se prendre un coup de terre. Là j'évite de mettre ma main en dessous, puis c'est un peu. Ou alors on peut mettre un gant aussi, mais là j'en ai pas sous la main.
petit nettoyage. J'ai déjà vu des gens qui font ça avec du papier à poncer. Mais moi je suis plus habituée au cutter. Je sais pas si c'est peut-être mieux. Mais... on profite aussi pour enlever les traces de colle. Les fils, les machins. Aujourd'hui, c'est pose du papier craft. Alors là, aujourd'hui, j'en utilise un qui est autocollant. Le plus pratique. Alors, hop. Parce que comme ça, je peux vraiment faire des grandes longueurs. Et j'ai pas peur qu'il soit sec avant que j'ai fini de le travailler. Alors, je vous montre. Donc ici, en fait, il faut bien plaquer. Mais comme il est un peu élastique, on a parfois envie de tirer un petit peu dessus. Et c'est justement ce qu'il faut éviter. Ce qui est important, c'est de plaquer au fur et à mesure en fait. Parce que sinon, j'ai déjà essayé, il se décolle. Donc là, hop, je le vise bien. Je peux faire tranquillement mes découpes.
bien plaqué. Donc là, quand je sens qu'il y a des petites irrégularités, je vais venir plaquer mon papier craft à l'intérieur des irrégularités et ensuite je vais plaquer le reste. Je le mets bien dans les plis du carton. Ça, ça évite qu'il se décolle par la suite. J'ai un coin qui est vraiment trop moche, j'ai mis de la colle un peu à l'arrache, donc ça je vais le cacher. Je ne les fais pas tous parce qu'il y en a où c'est correct, donc je vais les laisser tel quel. Mais celui-là vraiment il est pas beau du tout, donc je vais le crafter. Alors, hop. Là je prends ça, je me dure. Je vais couper quand même un poil plus court. Hop. Pour éviter d'avoir à couper après. Donc là, ce que je fais, tant qu'il est encore sec, mon morceau de papier craft, je viens, je le plie. Je vais vous demander assez pour tout à l'heure. En fait, le truc, je ne sais pas si on le voit dans la caméra. Mais si j'ai vraiment un jour que j'ai vraiment pas pu combler, parce qu'en plus le carton il est un peu mouillé. Donc là le but c'est voilà, c'est de mettre un petit coup de papier craft pour éviter que quand je vais ranger des affaires dedans, genre un petit objet comme un petit crayon ou quoi, que ça tombe à l'intérieur du meuble. Donc là j'ai pris mon papier craft, j'ai plié sur toute la longueur. Je vais l'humidifier. Évidemment j'ai pas mis de serviette en dessous. J'ai de l'eau qui coule par terre, mais c'est pas grave. Donc là, je vais venir le poser. Hop. Là, c'est une manipulation un petit peu délicate parce que ça tire pas. Enfin, je vais déjà poser le bas. Hop. Et je vais essayer un petit peu de le diriger de manière à ce qu'il qu'il puisse aller sur les deux côtés du carton au fond. Voilà. Et ensuite, je viens plaquer. Voilà. Et ensuite, bah, quand j'ai fini mon meuble, bah, je vais le ranger. C'est reparti pour un tour. Donc là, je vais chercher le gros meuble dans la cuisine. Donc là, je vais d'abord faire tous les intérieurs. Ensuite, là où il y a la porte, je ne vais pas peindre à l'intérieur parce que ça ne sert à rien. Donc là, comme tout à l'heure, bien dégager les coins. Éventuellement, vous voyez les morceaux tout en bas, tout en bas. Je vais peut-être pas repeindre le plafond du dessus, quoi. Parce que, en fait, si tout en bas, personne ne va voir si c'est pas ou pas au-dessus, en fait. Là, je le fais partout parce que ça se voit.
porte, vraiment le côté visible. Et ensuite, je vais m'attaquer aux petits endroits. J'ai beau faire attention, mais je trouve toujours des retouches à faire. C'est assez incroyable parce que vraiment je passe partout, mais... Hop, encore le petit bout là, ce sera bon, je pourrais le retourner. Alors, maintenant je vais le retourner. Alors, c'est une opération un peu délicate pour pas. Enfin voilà, je pense qu'abîmer la peinture. Après, je peux toujours repasser un coup de rouleau, hein, c'est pas dramatique non plus. Hein. Alors. Ça c'est un oubli pour voir si le bout pour contrôler. J'ai beau contrôler, j'ai fait un petit peu partout des petites retouches en fait à faire, et j'ai l'impression que les traces elles apparaissent après en fait, je sais pas pourquoi, mais déjà que la peinture, je sais pas, elle fait des trous toute seule, je sais pas, il y a peut-être des lutins qui viennent en enlever pendant que je suis d'à côté, j'en sais rien, mais... Enfin là, ça va, j'ai passé le meuble au crible, au peigne fin, et j'ai bouché. En fait, des fois, j'utilise aussi, ça c'est une astuce de feignasse et j'assume. En fait, des fois, j'utilise de la peinture quand je vois un petit trou. Hop, je prends et puis je mets un petit coup de peinture dedans. Par exemple, là, hop, on bouche avec la peinture et puis hop. Voilà. Bon, maintenant, je vais le laisser sécher. Et je vais continuer les autres meubles. Alors voilà, ça y est, là, je viens de finir mon chantier. Après 10 jours de travail non-stop, où j'ai refait la peinture, j'ai recouvert intégralement mes meubles, je les ai peints. Je vais vous montrer le résultat. Canapé, je m'éloigne un peu pour vous montrer.
Alors, il y aura des petites choses que je vais devoir refaire. Voilà, c'est des petits détails. Comme ici, j'ai un chat noir que je souhaite accrocher ici. En fait, là, par exemple, ici, j'ai utilisé en fait mon meuble à chaussures. Et du coup, je n'ai plus de meubles à chaussures. Donc, je vais devoir m'en faire un. Et la prochaine chose que je vais faire aussi, c'est du fait que j'ai plus le meuble à chaussures ici dans le koala, je vais devoir me faire un petit bureau dans un coin et un autre meuble à chaussures dans le couloir. Donc je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce bleu. Et si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!